On a sauvé la planète un peu. Il y a des objets qu'on ne s'attendait même pas à trouver. C'est de la ficelle de bateau. Il y a des t-shirts, des draps. Ça, c'est une petite bouée de bateau. Bientôt, si on continue encore de jeter et tout, bientôt, il n'y aura plus de poissons dans la mer et tout. Et si on continue comme ça, bientôt, c'est la fin du monde. Là, on doit être à peu près, à cette heure-ci, à 80 personnes. On a encore des débris de bateaux suite à la tempête Adrian. On trouve beaucoup de canettes et de bouteilles, bien entendu, et des mégots. Mais parfois, nous trouvons des chaussons, des casseroles. À l'époque, nous avions même trouvé une grenade. On avance. Ça fait presque 3 heures. C'est l'avenir. Il va comprendre que la planète est obligée d'être propre. Par exemple, mon frère, parfois, il peut jeter des trucs par la fenêtre. Enfin, non, pas par la fenêtre, quand on va se promener. Il peut jeter des trucs. Et moi, je lui dis, non, arrête, c'est pas bien. Ça me fait un peu mal parce que c'est notre planète, c'est à nous, on doit la respecter comme elle nous respecte à nous. Et voilà.